couteau rotatif, nous couper les nerfs. Et après 30 minutes, nous avons le petit lait et une médaille. 90% c'est le petit lait et c'est un bon nourriture pour notre animal. Et c'est aussi très bon pour le peau dans le cosmétique. Nous avons la côte ouest avec les dunes, ce sont des dunes naturelles. Et le dernier, c'est tout ces parties là. Après nous avons les deltas, d'accord, les travaux du delta qui se trouvent justement au sud du pays. Nous sommes ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Hollandais entre 1927 et 1932? Il a construit cette digue ici, d'accord, 32 km. 32 km de digue. Ouais. Alors, sur l'eau, il y a 29. Ils ont séparé d'une façon définitive la mer du Nord de ces parties de l'Hollande qui étaient toujours problématiques avec les inondations. Il s'appelle Schotland. Et c'était un île aussi qui est complètement intégré dans le pôle. Ça c'est très, très intéressant parce que si vous allez là-bas, vous pouvez encore regarder le dique qui était construit. Deux tiers de sa superficie sont recouverts d'eau, un tiers représente la surface habitable et encore. Il faut savoir que la superficie des Pays-Bas ne représente que 40 000 km² de l'ensemble des terres hébergées. La Hollande, un des plus petits pays, mais aussi l'un des pays les plus peuplés du monde. Les Pays-Bas et l'élément aquatique. Sans intervention humaine, la moitié de la Hollande serait immergée. En effet, 60% des terres se trouvent en fait sous le niveau de la mer, certaines parties même à 6 mètres sous ce niveau. Les premiers habitants construisaient leurs maisons sur des collines où ils se retiraient avec leur bétail pour se protéger des eaux. Il y a 1000 ans déjà que les Hollandais commençaient réellement à lutter contre cet élément naturel et disait-on indomptable. Ils entourèrent alors leurs terres de digues et c'est ainsi que naquirent les premiers polders. Avec l'apparition des moulins à vent au XVIe siècle, arrivait avec eux la possibilité d'assécher les lacs et les étangs qui se trouvaient sous le niveau de la mer. Mais ce n'était pas suffisant, alors on pensa à assécher le Zuiderzee et on commença par construire la Sloot-dijk, c'est-à-dire la digue qui ferme cette mer intérieure. Vous voyez ici un plan de cette digue. Sa base est faite de sable, c'est en fait la fondation de la digue. Les parois sont couvertes d'une épaisse couche de glaise servant à protéger le pied de la digue contre les assauts des vagues. Des deux côtés du pied de la digue, on a alors élevé deux barrages. L'espace vide ainsi créé est rempli de sable et les barrages sont alentour recouverts de terre glaise afin de les rendre imperméables. Le pied de la digue est ensuite parachevé par des tapis tressés de branches de saule fixés dans la glaise par des pieux lestés de pierre. Les talus de la digue au-dessus de la ligne d'eau sont recouverts de tapis de paille.
Ceux-ci sont alors recouverts d'une couche de gravats servant de base à la dernière couche qui est faite de blocs de basalte. Cette digue de 30 km de long était achevée en 1932 et les travaux d'assèchement du Zuiderzee pouvaient dès lors commencer. Bien sûr, la fermeture du Zuiderzee avait également pour but de protéger les populations contre les inondations. Comme en Zélande, où après la catastrophe de l'inondation de 1953, on commença à élaborer les projets pour maîtriser la mer. Il en résulta les travaux du Delta, qui est le plus grand projet hydraulique qui fut jamais réalisé. Rotterdam, c'est la porte de l'Europe. Quelque 30 000 cargos arrivent ici chaque année et les marchandises qu'ils amènent sont ensuite transportées et distribuées par chemin de fer, chaland ou camion à travers toute l'Europe. Tout comme Rotterdam relie la Hollande à l'Europe, l'aéroport international de Schiphol relie le pays avec le reste du monde. Schiphol est d'ailleurs plusieurs fois classé meilleur aéroport du monde. C'est en effet d'ici que partent vers tous les azimuts, non seulement les passagers, mais aussi les produits connus et moins connus des Pays-Bas. Comme ces fleurs, par exemple, que l'on achètera toutes fraîches encore demain, à l'étalage d'un fleuriste new-yorkais. Le printemps aux Pays-Bas. Si vous visitez l'ouest des Pays-Bas au printemps, vous pourrez admirer la mer colorée que font les hyacinthes, les narcisses et les tulipes en fleurs. Malheureusement, ce jeu de couleurs est en cours de durée. Ces fleurs sont en effet cultivées pour ce que l'on ne voit pas. Les bulbes et le fromage sont les produits célèbres et typiques de la Hollande. Tout comme la vache frisonne qui produit en moyenne quelques 6 000 litres de lait par an. La Hollande compte environ 700 musées, parmi lesquels le Mauritshuis à La Haye et à Amsterdam le musée Van Gogh, le Stedelijk Museum et le musée d'art moderne, ou encore le Rijksmuseum, où sont exposées les œuvres de Rembrandt et de ses contemporains, un musée dont la réputation est connue dans le monde entier. Amsterdam, capitale des Pays-Bas, la ville où tout est possible. Amsterdam est bâtie sur 11 millions de pieux de bois, et ses nombreux canaux et ses ponts romantiques lui ont valu à elle aussi une réputation universelle. On l'appelle la Venise du Nord. Les Néerlandais ont un grand respect du passé. Les vieux bâtiments sont restaurés dans leur gloire ancienne. Et il en va de même à Volendam, un village de pêcheurs qui fut construit vers 1200. L'assèchement des polders de l'Isselmeer a fait disparaître une grande partie des activités de pêche de ce port, mais les coutumes ont été respectées autant que possible. Une coutume comme le port des vêtements traditionnels. Pour les hommes, pantalons larges et vestes ajustées. Pour les femmes, tablier de travail et le bonnet noir. Le dimanche et les jours fériés, on se pare de ces merveilleux costumes brodés à la main. Les femmes portent alors une coiffe blanche par-dessus leur bonnet noir. Vous souhaite un bon séjour aux Pays-Bas et espère vous revoir.
qu'on traverse Paris et qu'on dirait Berlin. Toi, tu sais pas, tu dors, mais c'est triste à mourir d'être obligé de partir quand Paris dort encore. Moi, je crève d'envie de réveiller des gens. Je t'inventerai une famille juste pour ton enterrement. Et puis, si j'étais le bon Dieu, je crois que je serais pas fier. Je sais, on fait ce qu'on peut, mais il y a la manière. Tu sais, je reviendrai souvent dans ce putain de champ. Que nous allons traverser est le Kaisersklaas, le canal de l'empereur. La classe moyenne vivait ici. Pourtant, il y avait aussi quelques entrepôts et aussi les entrées de service des maisons les plus riches du prochain canal, le Herengracht, le canal des gentilshommes. Le Herengracht, dans lequel nous tournerons bientôt, est un canal intérieur, mais le plus riche des riches ont jadis vécu. Ici, le mur était haut, une protection contre les inondations. Donc, les adultes sont tellement cons qu'ils nous feront bien une guerre. Alors, je viendrai pour de bon dormir dans ton cimetière. Et maintenant, bon Dieu, tu vas bien. De l'amour comme c'est charmant. Des larves asséchées pour créer des clodeurs, des digues, une terre reconquise contre la mer. Les Pays-Bas sont aujourd'hui un des pays les plus avancés dans le monde dans la préparation à une future élévation du niveau de la mer. Nous avons 700 ans d'expérience dans le voyage des marées. Toutes ces tours
a bien subvenu aux besoins d'Amsterdam au cours des siècles. Les navires hollandais ont enrichi la République avec leur commerce maritime. Maintenant, comme alors, les bassins de plaisance peuvent nous faire les poissons de la ville. Sur la droite, vous verrez des bateaux de croisière de rivière. Ils relient Amsterdam directement au canal Amsterdam-Rhin qui les amène à l'Allemagne. On dit que le niveau de vie sur ces bateaux est très haut. Attends un peu, tu joueras aussi au pique-nique. Ah non, attends un peu aussi, je gagnerai. La salle de concert du 21e siècle d'Amsterdam. De l'autre côté de l'œil, à l'ouest, se trouve le mur aussi des quais commerciaux. Ce qui est en c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 4 temps, une valse à 20 ans. C'est beaucoup plus troublant. C'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 20 ans, une valse à 100 ans. Une valse à 100 ans. Une valse à 100 ans. Chaque aucun de fou, quand on dit que l'amour après, je vais faire un temps, une valse à 1000 ans. Une valse à 1000 ans. Une valse à 1000 ans, de façon des 20 ans, pour que tu aies 20 ans, pour que j'ai 20 ans. Une valse à 1000 ans. Une valse à 1000 ans. Une valse à 1000 temps, offre selon sa montre 333 fois le temps de bâtir un roman au troisième temps de la valse. Nous valsons enfin tous les trois au troisième temps de la valse. Il y a toi, il y a l'amour, il y a moi et Paris qui bat la mesure. Paris qui mesure notre émoi et Paris qui bat la mesure. Laisse enfin éclater sa joie. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de sortir des détours du côté de l'amour, quand c'est charmant, une place à quatre temps. C'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant, une place à quatre temps, une place à cinq temps. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant, une place à trois temps, une place à cent ans, une place à cent ans, chaque fois que l'on une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, de passion des 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, face au lancement, 300 pour trouver le temps de bâtir un roman. La 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 la. Merci. 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 Mer